Merci d'être avec nous en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders TwiTV et WattFM. Il est 8h et vous êtes à votre émission d'analyse de décryptage. Cinquième et dernier rendez-vous de la semaine du tribunal de l'actualité. Je suis Adam Skaled Ouedraogo. Vous le savez, nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Bienvenue à cette convocation. Je suis en compagnie des juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vahat. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vahat. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougouma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour cette cinquième et dernière convocation de la semaine, nous allons parler politique avec un homme qui n'est plus à présenter. Deux fois candidat à la présidentielle, il est ancien ministre de la Culture, poste qu'il va quitter en 2017 avec une démission qui a fait couler beaucoup d'encre et le salive. Ancien président du Parent, parti pour la Renaissance nationale, il préside depuis avril dernier à la destinée du MCR, Mouvement pour le changement et la Renaissance. Tairo Barry, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le président. Alors nous allons parler de vos ambitions à la tête du MCR et votre lecture sur certains sujets d'intérêt national, mais ça sera après cette première transition, les avant-propos. Juge Bouma, vous avez la parole. Merci, président. J'ai deux avant-propos. Le premier, mais tous les deux avant-propos sont hors du Burkina. Le premier, c'est la Côte d'Ivoire, où le premier ministre Patrice Achi est aussi évacué en France pour des soins, laissant maintenant libre cours à tous les commentaires et à toutes les supputations, pour ne pas dire les interprétations, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, après Gon, en bas, c'est Achi qui est évacué. L'on se rappelle d'ailleurs que quand il assurait l'intérim, et juste après le décès de Ambak, les rumeurs avaient couru qu'il avait été victime d'un malaise vagal. Après, c'est l'intéressé lui-même qui était sorti pour dire, pour démentir. Les mêmes rumeurs faisaient état aussi du décès de la chancelière d'Agri Diabaté. Les deux étaient sortis pour démentir que ce n'était pas vrai. Donc, tout est normal jusqu'à ce que cette évacuation encore arrive. J'ai dit, il y a beaucoup de supputations et finalement, on ne sait plus vers quelle direction regarder. Toujours est-il que le mouton noir indexé en Côte d'Ivoire, c'est Tene Birahima Ouattara, mais la même question qu'on se pose, même si c'est pour écarter certains adversaires courriers par rapport à la présidentielle, après vous prenez, vous dirigez avec qui? Bon, donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre regard à avoir par rapport à ces évacuations et puis à tout ce qu'il y a comme mystère autour de ces choses-là, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire? Mais il y a des enseignements à tirer, il y a des leçons à tirer, mais il y a une situation que l'on doit regarder aussi avec recul. J'ai l'impression que le premier degré est en train de montrer ses limites par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ça va être très difficile, mais en temps normal, il devrait pouvoir avoir des enquêtes pour pouvoir situer véritablement ces choses, parce que ça devient quand même une préoccupation en Côte d'Ivoire. Donc en attendant, nous le souhaitons beaucoup de courage et prendre l'établissement. Et pour la suite, le second avant-propos, c'est en lien avec la fête d'hier, l'Aïd El-Fitr. Donc, en souhaitant bonne fête encore à toute la communauté musulmane et chrétienne qui a fait la fête de l'Ascension, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est en Afghanistan, où une trêve de 72 heures a été observée depuis jeudi entre les forces afghanes et les talibans qui se combattent, et depuis le 1er mai, il y a une recrudescence de combats. Mais les deux camps, c'est d'ailleurs les insurgés qui proposent une trêve de 72 heures. Le président de la République accepte, et puis bon, ils observent une trêve de 3 jours. Il n'y a pas de combat. Vous pouvez évacuer vos occupations, on fait la prière normalement. Et après, on reprend les combats. Donc, une trêve pour prier, en même temps pour demander à Dieu la paix. Et après, on reprend les armes pour demander au même Dieu de nous donner la victoire sur les autres, parce que bon, de toute façon, quand c'est des armes qui sont soulevées, ben, y a des frères qui vont tomber de l'autre côté. Mais quand vous regardez, en même temps, on se pose la question, mais qui ces hommes-là, qu'est-ce que l'humain? Je ne parle pas des talibans et des afghans, parce que ce qui se passe, je ne parle pas forcément des forces de l'Afghanistan, c'est l'humanité de façon générale, où il y a un paradoxe qu'on observe, où il y a des choses, où il n'y a aucune explication. Mais là, c'est un échantillon de notre humanité, mais c'est partout la même chose. Le temps d'aller à l'église, le temps d'aller à la mosquée, on devait une chose, dès qu'on ressort, on reprend le masque qu'on porte, le masque de la violence verbale, de la violence physique, le masque de l'homme qui n'est pas du tout sociable. Mais en même temps,
Dès qu'il rentre dans le lieu du culte, vous regardez, c'est un saint, c'est une sainte. Mais dès le parking déjà, hein, ce n'est même pas la porte. Dès le parking, même au parking, souvent, il y a des accrochages. Et puis, il y en a qui veulent se taper même déjà le parking après la prière. Ça, c'est des choses qu'on a parfois vues. Mais ce qui se passe là-bas, c'est symptomatique de notre humanité. Est-ce que nous savons nous accorder sur l'essentiel, au nom d'ailleurs de ce même Dieu-là? Quand j'ai regardé ça depuis hier, je ne cesse de me poser des questions par rapport à l'homme de façon générale. Il est capable de choses les plus inimaginables. Rompre pour prier un Dieu qu'on dit aimer, qu'on n'a pas, on n'a jamais vu physiquement, mais après on reprend le combat contre son frère. Et alors qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas, mais on n'aime pas son frère qu'on voit. Ah ouais. Je me pose des questions depuis hier et bon, c'est pourquoi j'en fais un avant-propos. D'accord. Ouais. Merci, juge Bougouman. Nous allons à présent écouter l'avant-propos de juge Vaha. Oui, merci, président. Moi, mon avant-propos va nous conduire en Centrafrique avec l'arrestation d'un Français. Et selon ce qui est donné de voir, en tout cas sur les réseaux sociaux et partagé notamment par les autorités centrafricaines elles-mêmes, c'est que ce Français a été arrêté à domicile chez lui avec un important lot de matériel de guerre, et tout ça a été montré, et donc avec des photos que nous avons et qui sont donc partagées. Et on se rend compte qu'il y a une guerre de médias qui est très forte, et il y a la France qui parle d'instrumentalisation et qui voit évidemment la facilité de l'allier à des procédés de déstabilisation pour ce qui est de la Centrafrique. Mais de ce qui ressort de la vie de l'homme retracée, c'est qu'en 2013 déjà, il a participé à la formation de groupuscules armés au niveau même de la Centrafrique qui déstabilisait, sous-bosisait. Et il a un passeport français dans lequel vous voyez des entrées à travers des visas au Mali et tout. On dit qu'il aurait aussi participé à des formations et tout. Et ce qui me dérange un peu dans tout cela, c'est que en Centrafrique, quand vous regardez, il y a la Russie qui est en train de gagner du terrain à travers Wagner, maison de sécurité, qui prête main forte aux autorités gouvernementales là-bas. Vous savez qu'en décembre, lorsqu'il y avait des élections, le pays était sous le coup d'une forte pression, notamment de groupes armés qui possédaient déjà presque les deux tiers du pays. Et ceux-là, avec l'aide, je parle des autorités gouvernementales d'aujourd'hui, donc du camp Touadéra, avec l'aide des Russes, ont pu repousser donc cette pression-là qui sonnait aux portes. Donc, il y a un sentiment qui n'est pas celui, en tout cas, très accepté d'une France qui est partagée aujourd'hui par le camp Touadéra et beaucoup d'autres centrafricains, et qui voit forcément dans l'arrestation de ce monsieur et de ce qui a été découvert chez lui, et rien d'autre que la preuve que depuis, donc, il y a une France qui joue un jeu qui n'est pas forcément intéressant. Ça peut paraître être la théorie du complot, mais aujourd'hui, vous voyez que la plupart des médias français, ils sont tous alignés derrière un blanchiment de la France dans cette affaire-là. Mais en même temps, ils nous disent aussi que le Quai d'Orsay regarde bien comment ça se passe, parce qu'il est sous protectorat, ils disent consulat, le consulat, et donc ils regardent comment est-ce que la chose est en train de s'y passer. Mais au fond, moi, il y a beaucoup de questions que je me pose. On le présente comme journaliste, ou il se présenterait aussi comme journaliste. Et pour certains, c'était un point d'ancrage pour Al Jazeera en Centrafrique, et qu'il participait à des mesures de sécurité et tout ça pour des missions de médias. Mais de là à être journaliste, je pense que c'est différent. Hein. Je me demande combien de personnes aussi on a. Moi, je ne parle pas de là. Je ne parle pas des liens supposés ou vrais entre ce monsieur et la France. Combien de mercenaires ou de personnes du type on a aussi dans nos pays qui, sous le couvert du journalisme, sont très protégés. Quand on les attrape, on dit on a attrapé un journaliste. Alors qu'au fond, même nous, on apprend quelquefois dans les informations qu'on a, il paraît que ce monsieur-là, c'est un militaire. C'est la réalité, c'est ce qu'on a aussi sous nos yeux. Il ne faudrait pas qu'on se le... L'affaire, c'est ce qui se passe en Centrafrique. Il faudrait que ça nous ouvre grandement les yeux. Il peut y avoir un sentiment qui est celui centrafricain au regard du contexte qui est le leur, mais n'oublions pas une réalité, c'est qu'aujourd'hui, et relativement à ce qui se passe, il y a un fait qui est indéniable. Le monsieur, journaliste présenté, avait chez lui des armes de guerre et de pointe. Ça fait quoi chez un journaliste, si c'est un journaliste? Et c'est qui ce journaliste-là qui, aujourd'hui, hier, était formateur militaire?
On nous dira peut-être qu'il y a des journalistes spécialistes dans l'art de la guerre et tout. Mais vous savez que le pas, il est très fort. Le gap, il est très fort. Donc, je veux dire qu'il faut que nous-mêmes aussi, on fasse attention et qu'on ouvre bien les yeux. Parce que ce qu'on regarde là-bas, là, ne pensons pas que c'est une affaire très lointaine. Parce que même sous nos cieux, là, il y a beaucoup de missions qu'on ne comprend pas bien. Comprendra qui pourra. Mais je pense que cette affaire-là révèle beaucoup de choses. Et derrière la guerre franco-russe en Centrafrique, on se rend compte que nous-mêmes, dans nos états-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise même pas encore. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties qu'on ne maîtrise pas encore. Il y a beaucoup de missions qui sont mises sous certains couverts qu'on ne comprend pas encore. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci, monsieur le juge. Nous allons également dire merci à ceux qui assurent la partie technique de cette émission, le tribunal de l'actualité. Pour ceux qui nous prennent en marche, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, celui que nous recevons aujourd'hui est un acteur majeur de la scène politique nationale, Taïrou Barré, président du MCR. Bonjour et une fois de plus, merci d'avoir accepté notre convocation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je l'ai dit avec vous, et pour ce temps d'antenne, nous allons parler de vos ambitions à la tête du MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance. Nous allons aussi évoquer quelques sujets d'actualité. Nous allons parler de réconciliation nationale, de la configuration de la scène politique nationale. Mais avant, nous allons peut-être jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour parler de questions de généralité. Je l'ai dit, vous avez démissionné du gouvernement en 2017. La manière avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, avec le recul, ça devait se refaire, est-ce que Taïrou Barré allait faire les choses de la même façon? Est-ce qu'il n'y a pas un petit goût de regret parce que certains analystes estiment à son temps que c'était un suicide politique? Avant de répondre à cette question, j'aimerais au lendemain du jour de fête pour les chrétiens et les musulmans adresser mes voeux sincères de santé et de bonheur au peuple burkinabé, à tous les fidèles musulmans et chrétiens, et prier pour que Dieu renforce, cimente notre cohésion sociale et sème les germes de la fraternité, de la solidarité et de l'humanisme dans tous les cœurs. Pour répondre donc à votre question, naturellement, avec un peu de recul, on peut envisager les choses avec beaucoup plus de douceur, si le terme convient, parce que d'aucuns ont qualifié ma démission de fracassante, ce que je n'avais pas souhaité. L'objectif pour moi était d'exprimer avec toute la bonne foi, avec toute la franchise, les raisons pour lesquelles je quittais le navire gouvernemental. Si je devrais refaire cette démarche, il est évident que j'allais essayer d'y mettre la forme, parce que un certain nombre de propos ont été jugés quelque peu injurieux à la personne du chef de l'État. Je prends acte de ces sages conseils qui m'ont été donnés et j'en tiendrai compte dans la suite de ma démarche politique. D'accord. Monsieur le juge, par rapport aux questions de généralité, il y a cet épisode, mais aussi il y a l'épisode des élections. Vous avez candidaté avec les résultats qu'on connaît. Quelles sont les leçons que vous avez pu tirer à partir de cet épisode, cette parenthèse également des élections qui sont derrière nous parce qu'on prépare les prochaines? La leçon que je tire, c'est que le chemin vers une véritable démocratie est long et parsemé d'embûches. Nous nous sommes engagés depuis le campus, depuis que nous étions étudiants, de bonne foi dans l'arène politique, sans calcul. Et après une vingtaine d'années d'activisme politique, je me rends compte que le recul que nous avons enregistré au cours des dernières élections est un recul qui est véritablement regrettable. On ne peut pas passer la phase historique de l'insurrection populaire dans notre pays et constater ce qui a été visible à ciel ouvert, les opérations d'achat massif de conscience, les opérations de corruption électorale. Nous estimons que cela est une forme d'injure à la conscience civique des Burkinabés et il faut absolument trouver des mécanismes pour arrêter ce fléau.
D'accord. Mais il y a, c'est vrai qu'il y a les questions d'achat de conscience qui ont été dénoncées, beaucoup dénoncées, mais il y a aussi en soi les leçons qu'on peut tirer. Bon, parce qu'il y en a qui disent, bon, nous n'avons pas eu suffisamment d'argent pour le faire, et si on avait eu l'argent, ce n'est pas sûr qu'on allait le faire. Mais il y a d'autres leçons également qu'on tire par rapport à cette élection. Vous, à votre niveau, c'est vrai que ça, ce sont des... Mais est-ce qu'il y a d'autres leçons que vous avez pu tirer? Bon, les leçons, c'est par rapport d'abord à notre démocratie. Mais au plan partisan, nous avons fait l'analyse de la méconnaissance quasi générale de notre logo au niveau du parti. Parce que le MCA a été créé très récemment, avec à peine un an et quelques mois d'existence. Il devait participer à cette compétition électorale. Donc il y avait un défi de communication sur le logo du parti. C'est une leçon au plan partisan. L'autre leçon, c'est qu'il y a un travail important et assidu d'éducation et d'information du peuple à mener. Parce que aujourd'hui, avec les subtilités des acteurs politiques qui consistent à flatter les passions populaires, à engager la méthode de la démagogie pour avoir la voix des électeurs, ce sont des méthodes qu'on peut arrêter à travers le mécanisme de l'information et de la sensibilisation. Ça, c'est des leçons que nous tirons. Mais de façon globale, nous regrettons le recul démocratique avec les obstacles artificiels qui ont été érigés à travers cette opération visible d'achat de conscience constatée et dénoncée d'ailleurs par le RENLAC. Ok, Juva. Oui, merci Président. Vous parliez tout à l'heure des dernières consultations électorales, donc des présidentielles. On sait que vous êtes arrivé 5e sur 14. Et puis c'est quoi, pas moins de 62 000 quand même voix que vous avez obtenues. En tout cas, les appréciations peuvent être diverses. Hein. Pour certains, bon, il y a recul. Pour d'autres, dans tous les cas, ce n'est pas ridicule. Mais il y a le déroulé même de ce process-là lui-même. Vous étiez porte-parole à un moment donné, et vous, du groupe que vous aviez. Et vous étiez celui-là qui donc était le porte-voix des dénonciations. Et quelquefois aussi de la critique acerbe face à un scrutin qui pour vous avait toute l'état du monde. Et puis après, on vous a vu aller féliciter. Aujourd'hui, ceux qui étaient derrière vous lorsque vous étiez porte-parole, et donc qui étaient même à vos côtés lorsque vous preniez la parole, ils sont pour la plupart dans l'autre camp, hein. Ils sont à la majorité, en tout cas pour les figures de proue ou les grosses têtes que nous connaissons. Je vais poser une question qui peut-être vous a déjà été posée. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été utilisé quand vous regardez aujourd'hui le déroulé des choses? Non, je ne pense pas personnellement avoir été utilisé, parce que ce que nous avons fait, nous l'avons fait de bonne foi. Le 23 novembre, au lendemain des élections, nous avons enregistré un certain nombre de faits qui était de nature à impacter la sincérité du scrutin. Ce sont des faits objectifs, palpables. Et moi, en tant que porte-parole de l'accord politique de Ouagadougou, je ne devrais pas me dérober. Et ce que les gens oublient, parce qu'ils sont nombreux ceux qui m'ont dit que je ne devrais pas prendre la parole ce jour-là, parce que simplement, ils ont estimé que le CFOB avait un chef de file et qu'il lui appartenait de s'exprimer. Mais l'accord politique de Ouagadougou prenait en compte des candidats qui n'étaient pas membres du CFOP. Donc, l'accord politique de Ouagadougou a institué un mécanisme de présidence tournante. Et par ordre alphabétique, il s'est avéré que j'étais, et ça c'était largement avant la tenue des élections, il s'est avéré que j'étais le porte-parole et président du mois. Face à des faits qui ont été récoltés, qui étaient manifestement des irrégularités par rapport à la législation électorale, est-ce que je devrais me dérober par rapport à cette responsabilité? J'ai dit non. Je me suis assumé, nous avons fait une conférence de presse et nous avons averti.
Dieu merci, à partir du 23 novembre, il y a un certain nombre d'observations qui ont été prises en compte par la CENI. Plus tard, nous avons reçu des organisations, notamment internationales et nationales, qui ont attiré notre attention sur la fragilité de notre système national. Et que l'exacerbation des tensions politiques pouvait entraîner une dérive de notre pays vers une crise post-électorale qui n'était pas souhaitable dans un contexte de crise sécuritaire, dans un contexte de crise économique, dans un contexte de crise sanitaire. Donc, nous avons apprécié, d'où la deuxième déclaration du 26, où nous avons simplement dit que nous prenons acte. Et prendre acte voudrait dire que nous prenons note en gardant un certain nombre de possibilités pour l'avenir. Donc, suite à cela, il était loisible aux candidats qui le voulaient d'aller ou pas présenter leurs félicitations au président dans un esprit de décrispation nationale et de préservation de la paix nationale. Voilà pourquoi je dis que j'assume cette période de notre processus électoral et je ne pense pas que nous avons été utilisés. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait de bonne foi. Peut-être deuxième question là-dessus. Bonne foi, c'est vrai, mais en politique, on sait que soit on engrange des points, soit on n'engrange pas. On n'en engrange pas, ou bien on laisse dans les mémoires quelques moments qui sont difficilement compréhensibles pour certains. La dureté du propos quelques heures avant, et puis les félicitations après. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris le Tahirou Bari. On est sous nos yeux, hein, qui porte parole. Dans tous les cas, c'est lui qui a parlé. Vous comprenez aussi quelquefois l'incompréhension de ceux qui sont les destinataires finaux, le destinataire à la fin de votre message. Bon, il y a quand même des interrogations que moi j'émets personnellement. Quand on parle de dureté de propos, vous pouvez me faire ressortir une seule phrase qui présentait les caractéristiques d'une dureté? Nous avons dit simplement qu'il y a des faits, il y a des actes qui ont été posés et qui sont de nature à impacter la sincérité du scrutin. Et nous avons attiré l'attention sur le fait que si ces faits ne sont pas corrigés, nous n'allons pas accepter le verdict. Où est-ce qu'on peut nous reprocher la dureté des propos? Après cette sortie, il y a eu un dialogue qui a été engagé. Des efforts ont été faits, notamment sur la question du comptage manuel, sur la question de la sécurisation des urnes, sur la question des PV, des dépouillements. Il y a un certain nombre de situations qui ont été plus ou moins corrigées. Ça aboutit à la proclamation, apaiser des résultats. Bon, moi, je ne sais pas où est-ce qu'on peut nous reprocher la dureté de notre temps. Je me pose cette question. Bon, heureusement que c'est pas le sujet principal, sinon on allait dans un débat. Félicitation du président, je le répète, c'est une démarche qui s'inscrit dans un esprit d'apaisement. On nous a reproché le fait que nous n'avions pas attendu le lendemain ou quelques jours plus tard avant de poser cet acte. En Côte d'Ivoire, on a vu ce que la crise post-électorale a causé comme mort. On ne peut plus les réveiller. Au Ghana, ces morts ne peuvent plus se réveiller. Au Niger, ces morts ne peuvent plus se réveiller. Nous ne devons pas perdre de vue l'intérêt supérieur de la nation face à nos intérêts partisans. Mais cela ne veut pas dire que nous renonçons à notre obligation d'attirer l'attention sur un certain nombre de dérives quand ces dérives se manifestent. D'accord. Juge Bourdon. Oui, bon, à vous entendre parler, vous avez préféré, au nom de la paix,
renoncer à un certain nombre d'actions, parce qu'en plus de ce qui avait été de voir à travers la sortie médiatique, donc à travers la déclaration, il y avait aussi l'action sur le plan judiciaire qui devait être enclenchée par rapport à un recours en bonne et due forme qui devait être rédigé. Et les techniciens, je vais parler des juristes du CFOP, avaient été commis à la rédaction effectivement de ce recours, dont le draft d'ailleurs était sorti, restait à s'entendre sur un certain nombre de choses pour valider et puis déposer. Et là, ça fait flop. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur ce plan recours? Parce que bon, le dépôt d'un recours, ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit un acte de violence quand même. Non, au moment où je vous parle, en tant que candidat et membre de l'accord politique de Ouagadougou, nous n'avons pas été saisis d'un quelconque recours. C'est vous qui m'informez. Nous n'avons pas été saisis d'un quelconque recours. Ça, c'est vous qui m'informez. Le recours a même été évoqué par rapport à la suite, effectivement, à donner, parce que c'est l'autre front du combat. Mais finalement, je dis bien, il n'a pas été déposé parce que certains de ceux aussi qui avaient voulu sont allés féliciter le président Roch Kabore avant la validation officielle par le Conseil constitutionnel. Donc d'autres étaient maintenant très mal à l'aise d'en parler parce que bon, le constat est clair que bon, ce recours ne va plus prospérer et puis bon, c'est fini. Maintenant, bon, si vous dites que en tant que porte-parole, vous n'étiez pas informé, bon, moi aussi, je prends acte. Je ne peux pas dire que, parce que je ne suis pas à votre position pour savoir oui ou non, mais je sais que des techniciens avaient été commis pour rédiger ce recours-là. C'est vous qui m'informez. Ah, d'accord. D'accord, nous allons continuer peut-être dans ce débat, peut-être nous allons rentrer dans le vif du sujet. On l'a dit, on a parlé des dernières consultations, des consultations qui ont, je dirais, donné une nouvelle configuration de la scène politique. Au niveau du MCA, vous avez décidé de rester à l'opposition politique. Aujourd'hui, comment se sent Taïrou Barry aux côtés du nouveau président du CFOP? Je suis satisfait au niveau du nouveau chef de file de l'opposition. Parce que je constate que c'est une personnalité qui consulte beaucoup. C'est une personnalité qui fait preuve de dynamisme au regard des différentes activités déjà de communication qui ont été engagées. Et je crois que dans cette dynamique, le CFOP peut pleinement réussir sa mission. D'accord. Juge Valin. D'accord. C'est vrai que on sait bien qu'on parle du CFOP et on a vu au début comment c'était pas forcément simple pour Edi Kombouyego parce qu'il faut ratisser l'âge pour que vous puissiez peser. Mais on voyait aussi cette ruée vers le camp d'en face. Vous êtes un acteur de la scène politique. Quel a été votre regard sur ce changement de la photographie de notre scène politique? Bon, moi je considère que tous ceux qui font des choix politiques le font en toute âme et conscience. Ceux qui sont allés dans la majorité ont les raisons d'aller vers cette majorité. Et je considère qu'en y allant, c'est parce que simplement ils soutiennent l'action du président du Faso. Et ceux qui sont restés dans l'opposition estiment qu'ils ont un rôle à jouer. Et à la matière, c'est l'histoire qui doit juger. D'accord. Juge Bougouin. Il y a aussi les enjeux de cette nouvelle opposition. C'est sur quoi est-ce que cette opposition va fonder on appelle ça son opposition, quoi, voilà, disons. Alors, parce que de par le passé au Burkina, c'était connu, il y avait un article auquel les uns et les autres s'opposaient, et après la parenthèse de l'article 37 fermé, le magistère de M. Diabré, c'était le maître, moi c'était une opposition républicaine, qui a fait un an de trêve avant de sortir la deuxième année maintenant pour pouvoir tenir des manifestations. Il y a eu un meeting, après il y a eu une marche meeting, et puis bon, ça s'est arrêté là, et puis bon, voilà. Le reste, c'est les rendez-vous de presse les mardis pour dénoncer la gouvernance, pour faire des propositions sur cela. Mais pour l'opposition actuelle, c'est sur quoi exactement vous allez bâtir vos actions? Je pense que aujourd'hui, le contexte national impose à l'opposition une certaine dynamique.
Nous avons besoin d'une opposition qui doit s'affirmer et s'assumer face aux enjeux et aux urgences. Nous avons des urgences. Nous sommes dans un contexte de crise pratiquement généralisée. Crise sécuritaire, crise humanitaire, crise économique, crise sanitaire, crise éducative, crise de la gouvernance, crise de confiance. Et l'opposition n'a pas le droit de rester à faune face à cette situation de crise et de doute sur notre avenir. Je peux même aller plus loin pour dire qu'il y a nécessité. Pourquoi pas? Comme en Angleterre, pour l'opposition de créer un cabinet fantôme pour suivre pas à pas l'action de chaque département ministériel. Faire une analyse critique et faire des propositions constructives. Parce que l'opposition doit sortir de ce scénario qui consiste à caricaturer les problèmes sans rien proposer de concret. Cette opposition doit se légitimer. Et ça, nous avons un grand défi à relever. Et ça, vous en avez déjà discuté sur ces propositions-là? Bon, le CFOB vient de s'installer. Nous avons eu à peine 3 ou 4 réunions. Et je crois que déjà avec le comité qui a été mis en place pour faire des propositions sur la question de la réconciliation, c'est un pas décisif. Nous ne pouvons pas être observateurs de la vie nationale dans un contexte où le peuple a besoin d'avoir confiance, où le peuple a besoin d'être assuré, où le peuple a besoin d'être éclairé, en griffe. Je ne dis pas que ceux qui sont responsables des partis politiques sont des éclairés par rapport au peuple, non. Mais en tant que responsable des partis politiques, surtout de l'opposition, il y a une obligation d'information et d'éducation conformément à la mission des partis politiques. Et comme vous le savez, Alfred Sauvy l'a dit, bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Pourtant, nous avons besoin d'une république. Et nous savons que ce sont les citoyens qui font la République. Il faut donc créer les citoyens à travers l'information, à travers l'éducation, à travers la sensibilisation. Vous dites, on parle de cette opposition-là, et puis comment est-ce qu'elle pourrait mieux structurer sa dynamique et servir vraiment pleinement son rôle face au pouvoir qui est en place. Mais il y a la question de confiance qui, à la vérité, s'il n'existe pas, ne permet pas d'impacter de façon plus logique. Alors que les dernières élections, pour revenir encore là-dessus, ont dénoté de ce que, aussi au sein de l'opposition, c'était difficile, la question de confiance. Je pense que vous n'êtes pas le premier parti que nous recevons, ou le premier candidat challenger du président sortant d'alors, que nous recevons sur ce plateau. Ce qui ressort de ce qu'on a pu entendre plus ou moins, c'est que il n'y avait pas forcément cette confiance au regard des postures des uns et des autres juste après les attentes que vous avez eues. Moi, je prends un exemple là-dessus, parce que tout à l'heure, nous abordions la question de... vous posez la question du... comment dire ça? C'était de la plainte. Oui. Voilà, des plaintes probables. Le recours, voilà. Ce que le CDP disait en son temps, c'était en décembre, il disait les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès sont revenus sur les difficultés organisationnelles qui ont émaillé le scrutin du 22 novembre. Ils l'ont qualifié de piteux, mais le parti ne déposera finalement pas de recours contre le résultat de la présidentielle suite à un manque de consensus au sein des candidats de l'opposition. Bon, vous dites que vous n'avez jamais été informé de cela. C'est vrai que vous étiez candidat, mais il parle de manque de consensus. Il dit que mais ça a été discuté, ils ne se sont pas entendus. Peut-être que ça a été discuté hors vous. Peut-être que c'est des discussions informelles téléphoniques. Donc sinon, moi, été personnellement, en tant que candidat, ni ma personne, ni celle du directeur national de campagne, Toye Kalos, n'a été saisie. Ça, je suis franc envers vous. Si nous avions été saisis sur la question d'un recours, nous allons apporter notre avis.
D'accord. Je disais manque de confiance. C'est ce que nous est revenu au regard des différentes convocations qu'on a eues ici et des entretiens avec les invités. J'ai dit, s'il n'y a pas cela dans cette nouvelle opposition, ça sera difficile. Si chacun à l'intérieur de l'opposition est vu aussi comme un potentiel challenger, j'ai dit, ça sera quand même un peu difficile. Et au regard de ce qu'on a vu récemment, est-ce qu'il y a cette atmosphère-là qui permet d'aller regarder dans un même sens, et comme vous proposez tout à l'heure, là, d'avoir des stratégies communes? Contrairement à ce que vous dites, il y a certainement vos collègues qui ont été au CFOP pour les premières activités. Ils vont témoigner qu'il n'y a aucune animosité quelconque au sein des acteurs actuels de l'opposition. L'ambiance est fraternelle. Les échanges sont francs. Les échanges sont sincères. Et moi, personnellement, après les premières rencontres, je peux affirmer que je suis à l'aise dans les différents processus qui sont en cours. Et le président Edu Kombogo a été mon professeur, je le connais depuis un certain temps. Et contrairement à ce qui pourrait se dire, c'est une personne qui est très sympathique, qui est ouverte et qui fait beaucoup de consultations. Les dénonciations que nous avions eues au début étaient inhérentes à toute activité qui démarre, notamment la question des commissaires qui ont été nommés et autres. Mais très vite, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre. Ne mettez pas en doute la bonne foi des acteurs de l'opposition. Chaque instant a son contexte. Et aujourd'hui, je pense que les acteurs de l'opposition ont pris conscience qu'ils ne doivent pas décevoir les attentes du peuple. Parce que nous avons le devoir d'être le porte-parole de toute cette masse qui n'a pas la chance de se faire entendre, qui n'a pas la chance de porter ses préoccupations à qui de droit et de les défendre. Parce que la finalité d'un parti politique, conformément à l'achat des partis politiques, c'est de défendre les intérêts du peuple. Et tout parti politique qui va s'éloigner de cette mission va certainement perdre de vue la mission pour laquelle il a été créé. D'accord. Donc, ça dit que si je comprends la parenthèse, désignation des membres de commissaires de l'opposition à la CENI, c'est réglé parce que ça avait fâché certains membres du chef de file de l'opposition, comme Ablassé Ouédraogo, en tout cas, avaient manifesté ouvertement leur plainte par rapport aux choix qui ont été opérés, parce que finalement, le CDP s'en tire avec 3 commissaires sur 5, alors que le CDP avait 2. Alors, cette question a été réglée comment entre vous? Non, c'est juste une incompréhension. Il y avait un certain nombre d'informations qui manquaient à certains acteurs de l'opposition, mais quand la réunion a eu lieu, les informations ont été partagées et tous ont compris. Quelles sont ces informations? Non, je pense que c'est des questions intérieures et il est important de les garder à l'intérieur de ce forum pour ne pas encore créer des polémiques inutiles. D'accord. Alors, opposition majorité, sur fond de allons à la réconciliation, comment on se pose dans ces conditions quand on sait que certains acteurs de l'opposition sont concernés par cette même réconciliation? Certains acteurs de la majorité sont aussi concernés par cette même réconciliation? Non, le principe qui est pratiquement unanimement reconnu, c'est de faire en sorte que le processus de la réconciliation ne soit pas une prime à l'impunité. Ça, c'est un principe. Pour ne pas dire non négociable. Maintenant, c'est la forme de manifestation de la vérité et de la justice qui peuvent faire l'objet de réflexion. Mais à l'intérieur, vous voyez un parti comme le CDP qui a des cadres qui sont concernés par certaines questions. J'ai dit, même ceux qui gouvernent actuellement, il y en a, mais est-ce que, alors qu'une opposition aussi qui veut poser des actions d'opposition, comment faire? C'est quoi? Parce que la difficulté, c'est de dire, attention, vous allez compromettre la réconciliation, on est dans un esprit d'ouverture. Parce que quand le moment était arrivé de choisir le président de l'Assemblée nationale, on l'a tous vu, l'opposition n'a pas fait acte de candidature. Et ce qui a été dit, c'était un signal fort envoyé dans le sens de la réconciliation nationale. Alors, comme j'ai dit, comment on suppose sérieusement dans ce contexte s'il y a des dénonciations sérieuses à faire alors qu'il y a un
tout le partage sur la côté qui est là pour la gérer. Monsieur Bougouma, oui. Il faudrait que nous ayons à l'esprit que ce processus de réconciliation va au-delà des personnes et des individus. C'est un processus qui se veut structurel, qui doit se fonder sur les véritables réalités de notre nation, sur les déchirures qui ont été enregistrées, situer les responsabilités, panser les plaies, dire la vérité, rendre la justice et enfin aller vers l'apaisement des cœurs pour parler de réconciliation. Ça va au-delà des individus. C'est pourquoi, personnellement, pour être franc envers vous, je n'ai pas compris pourquoi le ministre de la Réconciliation s'est déplacé en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'État, rencontrer un ancien chef de l'État sans la moindre information, sans le moindre communiqué. Que veut-on cacher au peuple? Est-ce qu'il y a des éléments du projet de la réconciliation qui ne doivent pas être connus par la nation? C'est la question que nous posons. Et cela alimente la polémique sur ceux qui pensent en réalité que la réconciliation n'est qu'un arrangement politique. Il faudrait qu'on sorte de là. Parce que si on rentre dans ce jeu de cache-cache, il est évident que les résultats qui sortiront ne seront que de la poudre aux yeux. Alors, sur ce chapitre de la réconciliation nationale, certains acteurs politiques estiment qu'il faut, il faut y aller en donnant l'exemple. C'est le cas, par exemple, du ministre en charge de la réconciliation nationale, qui a décidé de retirer sa plainte contre l'ancien ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, dans le dossier Tranquilos. Est-ce qu'aujourd'hui, Tahiry Bari a fumé le calumet de la paix avec son ancien mentor, Laurent Gbagbo? Il n'y a jamais eu de problème avec moi, Laurent Gbagbo. Parce qu'après votre démission, il y a eu quand même des propos assez durs. Vous savez, monsieur le président, la crise supposée entre moi et le grand frère Laurent Gbagbo n'est qu'une manipulation des forces extérieures aux parents en vue de déstabiliser ce parti. Laquelle force? Je dis bien des forces extérieures. Ce sont des manœuvres qui ont été orchestrées de l'extérieur. Par qui? Par qui? Mais écoutez, on ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas encore remuer le couteau dans la plaie. Le professeur Laurent Gbagbo et moi, je l'ai toujours dit, je le considère comme un éducateur, comme un père pour moi. Et pour rien au monde, je ne vais oser lui manquer de respect. Il y a eu des propos très durs envers ma personne, envers ma famille. Mais j'ai le devoir de rester respectueux envers celui qui m'a éduqué. Je ne peux pas soustraire ma situation actuelle à l'éducation que j'ai reçue du professeur Laurent Gbagbo. Et même avant le congrès, je n'ai pas hésité à l'appeler pour solliciter ses conseils, ses bénédictions. Donc, sortez dans cette posture qui consiste à dire Taïrou et son mentor, Chris, moi je ne vois aucune crise entre le professeur Laurent Gbagbo et moi. En privé, on se parle. Et Dieu seul sait ce que nous disons. D'accord. Oui, justement, maintenant, vous êtes président du MCR dans vos pleins, dans la plénitude de vos fonctions de président. La question, c'est maintenant, comment voyez-vous votre avenir politique après l'épisode parent, ministère, candidat à la présidentielle? C'est la deuxième fois, candidat à la présidentielle. En 2015, vous étiez déjà arrivé troisième. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que cet avenir politique-là, vous la peignez? J'étais face à vos collègues journalistes récemment pour une interview et à quelqu'un qui me lance à la figure que Tahiry Bari est fini politiquement. Je prends acte de cette proclamation, mais moi je dis aujourd'hui, le plus grand échec, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi, comme l'a dit un penseur, Olivier. Le travail que nous faisons, c'est un travail difficile. Je peux dire, c'est un sacrifice. La politique n'est rien d'autre qu'un don de soi. Mais le travail que nous faisons, c'est un travail de longue haleine. Et vous savez que ces genres d'opérations portant sur l'éducation des masses, sur l'éveil des consciences, sur la sensibilisation,
ce sont des œuvres de longue haleine. Et le français l'a dit, excusez-moi si je prends souvent des auteurs étrangers, le français dans cette formule, l'histoire nous enseigne la difficulté des grandes tâches et la lenteur de leur accomplissement. Mais elle justifie l'invincible espoir. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus difficile. Mais notre véritable échec, c'est lorsque nous allons enterrer notre espoir. Mais nous pensons que nous avons un rôle à jouer et nous allons le jouer pleinement en demandant la contribution de tous les patriotes de ce pays, de tous ceux qui veulent laisser un avenir à Dieu, à nos enfants. Alors, allez-y. Je rebondis sur ce que tout à l'heure Tairou Bari a dit. Il dit qu'un de nos confrères a dit qu'il était fini. Mais je ne sais pas si c'est le même confrère auquel je pense, hein, parce que moi j'ai bien lu beaucoup d'articles sur vous avant de venir à cette émission, notamment l'un des articles de Le Pays. Et c'était une question. Peut-on dire que Tairou Bari est fini? C'est une question qui a été posée, ce n'est pas une affirmation. Et vous avez même développé, vous avez répondu. Mais je ne sais pas s'il y a un confrère qui a dit que vous étiez fini. Bon, vous savez, vous les journalistes, quand vous posez une question, vous avez des idées derrière la tête. Ah, voilà. Pas forcément. Et... mais voilà, quand la question est posée, cela suppose qu'il y a déjà un esprit qui est préparé à une situation. Alors, la question, elle est là. Peut-on dire que Tairou Bari est politiquement fini? C'est une question, c'est pas une affirmation. Ok. La preuve, vous avez répondu. Donc, ne pensez pas que derrière nos questions, il y a forcément des idées. Il y a des questions qui me paraissent très provocatrices. Ça, je vous dis la vérité. D'accord. Et je profite d'ouvrir la parenthèse pour dire, quand on s'exprime souvent avec la vérité, c'est méchamment pris. Mais pourtant, c'est dans la vérité qu'on construit les grandes choses. Je vous dis, peut-être c'est une nature qui va changer plus tard, mais je ne sais pas. Souvent, ce que je dis et qu'on traite de très excessif, je le dis en toute bonne foi. Et même devant le chef de l'État, s'il est en face de moi, il y a un certain nombre de choses que je peux lui dire, avec peut-être une dureté, mais qui est loin, loin, loin de présenter les traits d'une malveillance. Dans mes collaborations, regardez au ministère de la Culture, quand je suis venu, ceux avec qui je m'entendais étaient ceux qui me disaient le plus la vérité. Je suis venu, j'ai trouvé un secrétaire général du ministre précédent. Jusqu'à la fin de ma présence au ministère, je ne l'ai pas changé. J'ai trouvé le directeur de cabinet. Jusqu'à ce que je quitte, je ne l'ai pas changé. Parce qu'il me disait la vérité. Quand je veux foncer, comme le disait quelqu'un, comme un taureau, ils sont là pour me dire en face, attention, si tu fais ça, tu vas t'écrouler. Avec souvent des mots vulgaires. Vous voyez l'ex-secrétaire général du ministère de la Culture qui vient d'être débarqué, M. Saint-Pourri, docteur Saint-Pourri, il était directeur de site classé. Mais on le présentait comme un directeur infréquentable. Il était l'un de mes meilleurs collaborateurs. Quand je prends la mosquée de Djula Soba avec la réhabilitation, c'est lui qui me disait, ici c'est pas possible, ici c'est possible. Moi qui voulais aveuglément foncer, il me disait non, attention. Donc ceux qui vous disent la vérité ne sont pas forcément ceux qui sont contre vous. Il faut que nous ayons cet esprit et qu'on sorte de l'esprit des courtisans. Ok, oui, allez-y. Bon, je voulais juste rappeler que c'était une question, c'était pas une affirmation. C'est pour ça que j'ai retrouvé l'article de Le Pays. Je continue pour... Mais poser encore une autre question, c'est que vous étiez à la tête du parent en tant que président, souvent, quelquefois de dissension, comme elle m'a dit souvent Bernard Bougma, naissent des partis. C'est-à-dire quand on des dissensions au sein des partis, vous voyez le président ou d'autres, quand ils quittent, ils en créent un nouveau et ils le portent comme ils peuvent avec une nouvelle offre. Est-ce que vous pensez qu'avec le MCA, parce que avant, pour beaucoup, hein, quand on dit parent, c'est d'abord pour Bado. Et la plupart de nos partis aussi, ça a souvent été comme ça. C'est-à-dire, c'est d'abord la chose de quelqu'un, et d'une façon ou d'une autre, même quand on prend du recul, on garde toujours une bonne influence au sein du parti. Aujourd'hui, vous avez le MCA, on se dit, ça là, c'est pour Bari. Est-ce que vous pensez que c'est un outil nouveau qui permet une trajectoire nouvelle pour vous?
Bon, le MCA ne veut pas être pour Barry. Le MCA n'oublie pas qu'un parti politique, c'est un rassemblement de citoyens qui partagent la même vision du bien commun et qui s'évertuent à la mettre en œuvre à travers la conquête du pouvoir. Et moi, je dis, je n'hésite pas à dire que je suis un produit pur du professeur Laurent Bado. Souvent, quand moi et lui, on se rencontre, je dis, ah, grand frère, j'ai voulu vos idées ici, mais je ne vais rien payer. Il dit, tu vas payer. Je ne dis pas que, moi, Barry, je suis qui? Je suis qui? Les problèmes dans notre pays sont connus. Les solutions sont connues. Il y a des acteurs qui ont réfléchi sur ça. Nous ne faisons que rappeler. Nous ne faisons que attirer l'attention afin qu'on fédère les énergies pour appliquer les solutions qui sont connues de tous. Les problèmes sont connus, les solutions sont connues. Et moi, je vais vous dire, il y a une formule du professeur Bado que j'apprécie et qui est encore d'actualité dans son ouvrage « Quel modèle de démocratie pour l'Afrique noire ?» Qu'est-ce que le professeur Bado a dit ? Il faut faire en sorte que notre démocratie ne soit pas un jeu de gladiateurs devant les gradins déserts. C'est plus que d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, on est là, on gesticule pendant la campagne, on fait du n'importe quoi. Mais le peuple ne nous suit pas. Le peuple n'a pas confiance à ce qu'on dit. On distrait le peuple. D'accord. C'est pourquoi il se lève pour... C'est pour ça que même très souvent, ce que les gens se disent, c'est qu'on quitte un parti. Je répète, la question est qu'on quitte un parti parce qu'on a des dissensions. On en crée un nouveau qui est comme un genre d'outil nouveau, mais sans forcément d'offres nouvelles. C'est à ça que je voulais en venir. Parce que si c'est la question de création des partis, on est habitué à ça au Burkina. Et souvent, c'est après des dissensions en termes politiques. Mais quelquefois, à la fin, l'outil nouveau n'apporte pas quelque chose de nouveau, en fait, en tant que tel. Un homme politique doit savoir proposer des solutions par rapport à un contexte donné. Parce que le contexte évolue. La solution que nous pouvions proposer en 2010 sur la question sécuritaire n'est pas la même solution aujourd'hui. Parce que le contexte a évolué. Un homme politique, c'est ça. Il essaie de faire une lecture de l'environnement national et international et il fait des propositions de stratégie pour sortir de l'ornière. En dehors de ça, l'action politique n'est qu'une vaine agitation. Et nous, nous voulons sortir de là. Alors, à la tête du MCR, le jour de votre prise de service, vous l'avez dit officiellement, vous donnez comme mission de déverrouiller le champ politique. Comment vous allez le faire? Et ça consiste à quoi exactement? Mais déverrouiller le champ politique voudrait dire qu'il faut faire en sorte que la politique ne soit pas une compétition de moyens, mais une compétition d'idées. Faire en sorte que dans le jeu politique, on puisse asseoir l'équité, la transparence, la vertu dans le jeu électoral. Et c'est pourquoi cela passe nécessairement par le processus du plafonnement des dépenses de campagne. Et je l'ai fait quand j'étais député en février 2019 à travers cette proposition de loi portant plafonnement des dépenses de campagne. Et un journaliste qui m'a demandé comment est-ce que c'est possible au Burkina. Mais le Burkina n'est pas sur la lune. Ça se passe au Bénin, ça se passe en France. Et en France, vous avez vu le dépassement de près de 17 millions d'euros des frais de campagne par le président Nicolas Sarkozy en 2012. Vous avez vu ce que cela lui vaut. Mais il y a tout un processus qu'on peut mettre en place. Désigner un mandataire financier, avoir un compte de campagne qui prescrit les recettes avec l'origine des recettes et qui prescrit les dépenses. Et tout cela audité par un expert comptable et présenté devant la Cour des comptes. C'est un passage obligé si nous voulons asseoir une véritable justice et l'équité dans notre démocratie. Merci Tayourou Barry. Je rappelle que vous êtes président du MCR, Mouvement pour le Changement et la Renaissance. Vous avez été notre convoqué du jour. Avec vous, nous avons parlé de vos ambitions à la tête du parti MCR et également votre regard sur quelques sujets d'actualité, notamment la réconciliation nationale. Merci Monsieur les juges. Nous allons également dire merci aux téléspectateurs de True TV et Watt FM. Nous allons nous donner rendez-vous demain pour le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité. Excellente journée en compagnie des médias leader.